Et yo tout le monde, c'est Gecko GMG. On se retrouve pour du S-Word, la suite de la dernière fois. Donc on en est rendu niveau 46, donc c'est génial. On a débloqué notre troisième spécialisation, enfin notre deuxième spécialisation plutôt, il nous manque encore la dernière. Maintenant il faut encore qu'on fasse du leveling pour débloquer le reste des compétences et débloquer nos quêtes, etc. etc. Donc on va progresser, hein. Là déjà faut que je choisisse mes compétences là, l'amélioration. Hop là, j'aime bien. On va continuer. Intéressant. On l'a passé à 120%, ça fait que je passe 120 MP pour l'utiliser. On va plutôt prendre l'autre. Consommation de MP réduit. Bon, du coup, j'ai débloqué des nouvelles compétences. Non, celle-là, j'avais déjà utilisé. Rassemble un maximum de pouvoir de la déesse Ishmael afin de générer une tempête magique et te renforce brièvement par autosuggestion. Tous les membres de ton groupe bénéficient de l'autosuggestion. PVPM plus 70%, plus 30%, et de déplacement plus 30% ou 20%. Recharge du boost x 3, groupe 50%, 15 secondes. Pas très très longtemps. Tu lances devant toi un javelot inachevé en raison des restrictions de ce monde. Tu peux le charger avec les touches de compétences pendant le chargement. Tu bénéficies de l'immunité au malus. Intéressant cette attaque. On va la mettre là. 122 MP, 10 secondes de recharge. On va dire la consommation. Bon, 302 MP, ça fait cher quand même. Intéressant ça, par contre. Bon, bah, on est bon. Est-ce que celle-là? C'est les compétences aussi à faire, on va faire ça d'ailleurs. Pour ça, il faut aller voir un PNJ et lui acheter des bouquins. Je sais plus le nom du PNJ. En profiter pour récupérer les colis. Hop. Je vois que j'ai plus. Bienvenue à l'agence Kobo, le Je suis numéro bloqué 1 de pour la les échanges. satisfaction client. Non, c'est pas elle. À l'agence Kobo, la satisfaction du client est notre priorité. C'est normalement elle. Ah non, c'est Camille. Ouh, bien le bonjour, t'as déjà mangé? Voilà. C'est du bon boulot. Bon boulot. Comme je J'espère te disais, voir souvent à l'avenir. ça nous permet de débloquer cette compétence, et après on aura celle-là aussi. Je peux déjà commencer à la faire.
Combat avec élégance. Boutique. Qu'est-ce que tu sais faire? Je veillerai à ce qu'il ne t'arrive rien. Ça va, chérie. 1,6 million. J'espère te voir plus souvent à l'avenir. Je sais plus s'il faut les utiliser ou pas. Non, je crois pas. Ouais, voilà. Il faut juste les avoir sur soi. On va aller dans la quête, du coup, bon, on va les perdre. Un nouveau froc. Une belle chose. Un qui m'intéresse, on va tout vendre. Ouh, bien le bonjour. T'as déjà mangé? Ouais, c'est que j'ai déjà mangé. Elle m'espionne? Putain. Elle m'espionne, c'est dégueulasse. Hop, vendre. Vendre. Ok. On est riche, on est riche. Il y a notre métier aussi. Pas l'oublier ça. Un petit métier. Ok, on s'est fait deux choses. Mon dernier cadeau. Une tenue dueliste. Intéressant. Et un saupoudre doré. Ça, c'est génial. Ça. Ça, c'est le pied. Ce que je pourrais faire aussi, c'est aller sur mon personnage principal pour aller chercher de l'argent pour acheter du costume, enfin du cosmétique. Non, j'ai été trop loin. On va faire ça, on va voir tout simplement s'il y a quelque chose pour moi, bien sûr, d'abord. Donc, qu'est-ce que c'est comme tenue dueliste? D'accord. Est-ce qu'elle a durée limitée? Non, elle n'est pas à durée limitée. Intéressant. Elle est jolie en plus. C'est joli. Moi j'aime bien. Le saupoudre, bah, pour moi, on va le garder. Hein. Si j'ai quelque chose à sceller, bah, je serais bien content de l'avoir. Bon, on est parti. Hop, moi je vais être ici. J'ai une potion. Alors, faudrait peut-être que je l'échange. Je peux déplacer par niveau. Alors, ça va, j'en ai pas trop besoin, mais bon. C'est une nouvelle compétence. Ouais, en effet, d'accord, ça pique. Allez. Non, faut que j'essaie le dé aussi. Ouais, d'accord. Trop de méchants. On va le défoncer. Donc je disais, bon, elle a pas fait long feu, c'est pauvre.
Allez, le boss. Easy, hein. Oh merde, il y en a encore un. Moi je célèbre le truc, c'était pas fini. Super. Heureusement qu'il est là lui. Bon, du coup on va refaire nos raccourcis là, ça va pas. Tac, ça faut le bouffer, ça faut le bouffer, ça faut le bouffer. En gros faut tout bouffer quoi. Je vais finir obèse. Tout ce que j'aurais gagné. J'ai rien d'autre au niveau des quêtes ici. On va ça là, au moins on va exprimer un petit. D'accord. Ok, au moins c'est instantané. C'est direct. Allez. Des petits lags. Pas plus. Pareil, c'est comme ça, le random. Je sens bien qu'il joue quand même. C'est un assisté au final. Tranquille. Easy. Allez. Bof. Putain, je comprends rien. Je suis à éviter ces missiles de merde là. D'accord, on rentre dedans, je vois pas. Deuxième partie.
quoi, je me suis pris dans la gueule. Ta mère. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Forcément MVP. Alors. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est la question. Il reforme ses zones de merde. Bah, écoutez, on va continuer. Hein. Alors, ça peut être le même. Non, ça va, c'est avec un autre. Il vaut combien? J'ai mal vu. Ou alors, j'ai bien vu, mais je suis dégoûté. Allez, allez, allez. Ça va pas. Ah si, ça va. Accouche là. Paye ta co. Voilà. Mais je suis tout... Il est où? Mais il est parti. Putain. Ça se dit joueur, ça? Il a peut-être me montré qu'il en avait une plus grosse que la mienne, je sais pas. Pff. On court de celui qui a la plus grosse. Allez, vas-y. Moi, je m'en fous, j'ai gagné. Hein. Je suis tout seul. C'est pour ma gueule, l'XP. Allez. On va torcher ça vite fait. Ouais, d'accord, d'accord. Tout ça pour tuer un ennemi. Paye ta logique. Vas-y, qui tape à côté en plus. C'est bon. C'est passionnant, hein, hein. C'est passionnant, vous vous amusez là, hein. Pas moi. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils m'ont rempli la gueule, gratuit. Oh la grosse tête, oh la grosse tête. Je prends le melon. Qui dit mieux? Mais genre. Voilà. Voilà. Voilà.
Perfection, je sais pas, je crois pas, non. Je sais pas où t'as vu ça. Je sais pas où t'as vu ça. Donjon de Besma avec B minimum. S'il te plaît, déjà on dit. On est poli. J'ai déjà tout bouffé quoi. Hop, 110 MP, 122 MP, ça c'est cool ça. Ça, ça on aime ça. Attends. Voilà. Là, je passe au moins 47. Non, je rigole, donjon de merde. C'est le temps perdu, ça. C'est une compétence que j'utiliserai pas en plus. Non, mais. Puisque j'aime pas faire les choses à moitié. Vraiment, elle est chargeable cette compétence. Ah, voilà. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, vaut mieux la charger en fait, la compétence. La vache. Oh merde, je n'ai pas assez d'ennemis. On se rage de la carte. Bah non. Encore une fois. Je vous disais que je prenais le melon. Là, le mec, il prend la confiance, tranquille. Ça me rappelle quand je jouais à des jeux difficiles comme Dark Souls. Même binging, ça m'arrive. Hein. Le mec, il prend la confiance. Une demi-heure après, il est mort. Je peux viser avec, on dirait. Allez. C'est bon, je suis salé. Ah ouais, c'est bien ça, on peut viser avec. Cool. Bon, là, en l'occurrence, ça ne me sert pas à grand-chose, la compétence, mais bon. Voilà, les ennemis, je les one-shot. Presque. En plus, je suis beau gosse avec mon petit costume. Ouais, par contre, je vais pas jouer comme ça parce que sinon, ça va pas le faire. Ouais. Mais genre par derrière Bimaus, bâtard. S, nickel. Donc c'est bon, on a réussi notre mission. Yeah, nouvelle compétence que j'utiliserai jamais du coup, donc ça servait strictement à rien ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir. On aime. Donc, tu grandis, tu es résistant. Tu ignores toutes les défenses de l'ennemi. Probabilité de 15% de réussir une double attaque en cas de toucher avec un combo ou une compétence active durée 10 secondes. Donc tu te fous de ma gueule. Le mec il va utiliser 122 MP pour 10 secondes de pouvoir. À d'autres. Hein. Ah quoi que je peux baisser quand même la consommation. C'est peut-être intéressant. 85% de 120, ça fait à peu près dans les 80-90 de MP pour l'utilisation. Ça peut être intéressant. Pour un boss ou une connerie du genre, pourquoi pas. On va essayer ça. Maintenant on va débloquer celle-là.
qui lance une dague entourée de chaînes divines. Glepnik. Glepnik. Je ne sais pas si se dit le P ou le N. Non, Glepnik. Voilà, ouais, machin. Vous savez lire. Voilà. La cible touchée subit l'entrave divine. D'accord, 10% des PV maximum viennent des PV. D'accord, j'arrive pas à lire. Standard, la moitié en GCJ. L'effet est supprimé quand les PV tombent à 0 ou une fois la durée écoulée. Durée 10 secondes. Putain, encore une fois, c'est pas long, la vache. Aussi précoce que moi. Voilà. Bon. Bah justement, j'ai une quête à faire ici, mais j'ai... Attends. Je commence par où, en fait? Celle-là? Là, on est parti, hein. On va se faire le Raven, là. Là, faut pas être pressé dans le jeu, hein. Faut pas avoir envie de jouer vite, hein. La vache! Qu'est-ce que j'ai reçu? Une pierre de fluorite encore? Ouais, encore. On est deux! Putain, la vache! Ah, c'est un Sheng en plus. J'adore Sheng. Avec son lance-roquette. Bah, à mon avis, le mec, il doit avoir un complexe d'infériorité, c'est ça. Pour trimballer un truc aussi gros. Hop là, voilà comment est-ce qu'on va une carte. Ouais, c'est parti. On enchaîne. J'en étais sûr. Le roi des connards. Il n'y a qu'un con comme moi pour aller sur les coups ou sous les tirs. Mais c'est pas grave. Je l'accepte. Tu vas m'en laisser un petit peu. Allez, allez, allez. Me fais. Il a pris trop cher. Quoi? Gueule, chose. C'est où? Bon, je vous disais que le mec il doit avoir un complexe d'infériorité. Putain, j'ai pas réussi à le dire. Putain. Complexe d'infériorité. Vache. Mais tape-le toi là. Tu vas y arriver. Ah, c'est nouveau ça. C'est vrai que j'ai débloqué des nouveaux combos moi. Mais bon, c'est pas grave, je lui en veux pas. Voilà comment on fait pour raser une zone. Et voilà. Attends. Mais il a un problème ce mec, il a un problème. Il va pas bien. Quoi faire, hein. En plus un balai d'autre pied, ça c'est parfait, ça c'est le pied. Alors qu'est ce que j'ai eu? J'ai un petit coffre, une arme. Un nouveau pendule. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça une arme en fait au final? Ouais, d'accord, dehors aussi il y a des gens qui ont des problèmes, hein. Je te le dis, vache. Solo.
moins, j'aurai pas un connard qui va m'emmerder. Regarde, on va essayer de raser la zone. On va essayer. Ouais, presque. Après, est-ce qu'on en voudra de mon niveau médiocre? Voilà, faut dire, faut trouver les mots, faut dire. Mais pourquoi est-ce qu'il a pas tapé ce connard? Pourquoi? Le mec il se téléporte comme un Saiyan mais pour faire de la merde derrière. Tu m'expliques? L'autre, j'allais dire, l'autre il m'esquive là. Comme si j'étais une gangrène. C'est pas la lèpre. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est le boss. Mais ta mère, mais. Chien, chien. Ah bah il est mort. Ah, il est mort. Autant pour moi. Vas-y, vas-y, tire-moi ce que je rigole. Allez. On avance. Infliger 10% de dégâts au boss. Ouais, je suis tout seul, donc du coup je vais devoir lui infliger 100%, connard. Mais bon. Faut pas, hein. Après, c'est pas des donjons mon niveau, donc du coup, enfin voilà, quoi, c'est un petit peu facile. Un petit peu. On va pas jeter la pierre non plus. Mais... Allez, c'est partout. Oh, 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 oh. Du bien, t'étais seul. C'est un tapis en fait le mec. Il est plus souvent pas terre que debout. Explosio, perfecto. Blason gang. Il rejoint un gang. Le gang des machins là. Mercenaire vétéran. De quête d'achever. Fiadora mystérieuse, contrat perdu de Camille. Elle est vraiment conne aussi, elle doit perdre ce contrat là. On dirait un postier. C'est bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a un cadeau là. Encore une fois, j'ai failli les oublier. Il y a des fois, j'ai envie de me frapper. Attends, j'ai mes cadeaux, bâtard. Après, ils vont disparaître. Encore comme d'hab, sans amis. Oh. Ouais, j'essaie les combos moi.
Un jour. Bon, à part sauter et taper, bah, je sais pas grand chose au final. Moi, je connais déjà pas. Mais genre XXX en haut X. D'accord. C'est pour la science. Ne jugez pas. Oh, stylé ça. Allez, 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 allez. On m'est trop excité. Allez, 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 allez. Oh, putain, mais ça fait hyper mal cette connerie. La vache. Je comprends même pourquoi ça dure que 10 secondes. Allez, on se bat contre un Topiqueur. Nouveau Pokémon. D'accord. Alors, j'avoue, c'est efficace quand même. C'est efficace. On va pas se le cacher. Génial. Il est classe ce con là. Ah, c'est une Eve. J'aime bien ses ailes. Mais bon, à mon avis, ça vaut le petit milliard là. Faudrait que j'éclate toutes mes économies pour une paire d'ailes. Ou là, au final, je ressemblerai à quoi? Je ressemblerai à une mouche. Parce que forcément, ça va pas sur tout le monde. Mais bon. Rechercher les chapeaux. On va voir un petit peu ce qu'il y a pour ma classe là. Donc, avatar. Tout, on m'en fout. Hop, Ain. Voilà. Pendule Tamalos, enfin Tamanos, Tamatos. Vache. Ça on s'en fout un petit peu. Quoique. Non, non, c'est pour. C'est pas pour lui que j'ai. Ça c'est drôle ça. Mais bon, j'ai déjà mon costume. C'est de la merde. Non, ça, non, non, c'est pas pour lui. Gardien de la nature. Dans tous les cas, on verra pas mon costume parce que du coup, vu que j'ai mon petit truc par-dessus là, il faudrait ça. Ouais. C'est trop cher. C'est trop cher. Les gens, ils abusent. Hein. C'est un accessoire. Accessoire avatar. Voici accessoire avatar. Je crois que ce soit ça. Ah. Accessoire tout court. C'est quoi ça? Protection. Ah d'accord. C'est le truc qui va sur notre pendule. Les boucles d'oreilles. 40 millions. Ça va. J'aime bien ça. C'est quoi? Je crois que
crois qu'on peut le regarder en faisant, je crois que c'est Alt, voilà, Alt plus, Alt plus clic. Ah non, d'accord, c'est bien de la merde. On voit bien. Là, on a des Elnazodes, je crois. Ouais, c'est de la merde aussi. Ok. Ça, c'est cool, ça. Si t'as l'ensemble en plus, ça fait mal au cul. C'est un certain style. Son émette dégueulasse, voilà quoi. Une épaulette. Elle fait quoi l'épaulette? Ravage plus 3, dégâts critiques plus 5%. Ah, mais là on commence à taper dans le luxe là. J'ai pas envie de mettre 500 millions pour une connerie comme ça quoi. Il y a un moment, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons et voilà quoi. Des ailes de chaussures. Non mais des ailes de chaussures. Je vais courir plus vite peut-être. Un cache-œil. Super. C'est bien, si t'es Miro en plus, bah voilà quoi. Tu vois plus rien. Tu tapes les coins des murs. Bon après, voilà quoi. Comme d'hab, les gens, ils ont craqué. Qu'ils arrêtent la drogue. C'est pas bien de prendre les gens pour des cons, hein. Il y a un moment, on se calme. Encore deux ou trois donjons et on arrête là pour ce soir. Je pense que la vidéo arrivera dans la nuit, demain. On est lundi 12. Pas t'auto-détruire, je le fais à ta place. Parce que moi je suis un mec comme ça, j'aime bien aider. Moi pour taper comme ça. Y'a qu'un con. J'aime bien faire de la merde en fait. J'ai l'impression que ça. D'accord. Toi le petit robot, je vais faire souffrir. J'ai pas eu le temps. Oh le carnage, oh le carnage. C'était propre là. Là c'était propre. Là on est d'accord. Là on est content. C'est brutal quand même, franchement. Rien à foutre de l'explosion. S plus. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, j'aurais tellement roulé dessus. C'était épique. Bah, ça dépend pour qui en fait.
Laisse-moi deviner, c'est de l'équipement de merde. Putain, comment je suis trop fort. J'ai rien eu en plus, hein. J'ai rien. En même temps, c'est des donjons plus petits que mon niveau, donc du coup, forcément. Au moins, en même temps, on avance dans le mode histoire. On fait nos petites quêtes tranquilles, par-ci par-là. Level 99 et 102, quoi. C'est un gros joueur. J'ai pas le level. Genre solo, y'a personne qui veut jouer avec moi en fait. Hein. C'est abusé. Sans amis, le mec. Un jour, peut-être. Avec les abonnés. Pourquoi pas. Easy. D'accord, j'aurais pas dû faire ça. Je suis Keblo. Et voilà, et voilà, et voilà. Il y a qu'un truc à la con à faire et j'arrive pas à le faire. On va y arriver. Ou alors on peut faire ça aussi. Ça peut être une solution. Allez. Le petit boss de merde. Le sniper, quoi. Allez, on y est presque. On y est presque. C'est le boss là. Ou pas. C'est un gros boss en plus là. En temps normal, moi je me rappelle qu'à l'époque, tu t'appétais pas devant lui. Simplement. S'il faut péter ces trucs là, voilà, faut péter ça. Et normalement, bah, c'est pas si simple que ça en fait. Mais genre un pantalon en or, ça doit pas être facile ça à porter. Hein. Et voilà, nouvelle compétence. Donc elle fait quoi celle-là? Ouais, c'est. Tu touches la cible, elle subit une entrave divine, je sais pas quoi là. Durée des effets et conférée au prolonge. Prolonger passe à 50%. La force d'attaque augmente et passe. On va prolonger les effets. Mais je peux mettre ça à la place de quoi en fait? C'est ça le truc. À la place de ça, je pense. Ok, ces deux compétences là. En plus, j'ai eu du level up sur les passifs. Parfait ça. Allez, on va avancer dans les quêtes.
sera le dernier donjon pour cette vidéo. Alors, on est deux. Ça ira vite. Ça ira vite. Je torche ça bah, comme je me torche le cul en 30 secondes. Il y a une technique que moi, copieur. Aucune personnalité le mec. Aïe Allez, on y est presque. Après, je vous lâche. Pourquoi est-ce que j'ai raté dessus comme ça? Putain! Fucking robot. Allez, allez, ça va. Ça va être rapide comme tout à l'heure, une petite sanction. Une épée en or. Putain, la vache. Plaqué. L'épée, du coup, elle me servira strictement rien. Faut le dire. Même le froc, en fait. Sérieux. Bon, bah, écoutez. J'ai envie de vous dire que ça a été une partie qui a servi strictement à rien. Mais bon, c'était drôle. Donc, sur ce. Et ça buguait. Si. Ah d'accord, faut choisir. Faire de la bibliothèque de l'académie ou ticket de participation à la fête des sports de l'académie du Belder. Alors. Bah on va prendre le premier. Voilà. Donc du coup, je vous remercie à tous de m'avoir regardé. Pensez à vous abonner pour retrouver d'autres de mes vidéos. Et on se voit bientôt. Ciao!